Bien, quel est le sexe de cette carotte? De toute façon, on... C'est un peu dangereux d'investir en bourse avec cette crise. Le danger, mon métier, Marie. Pourquoi c'est toujours ici qu'on vient? Le café est dégueulasse. Pour l'atmosphère sympa. Tu sais où on fait du bon café? À Naples. T'as bu du café là-bas le 31 mai 1984 sur la tournée Cheyenne's Bad Friends. Bad Friends, sixième album de Cheyenne and the Fellows. Si cette crise s'éternise, tu pourras écrire ma biographie officielle. Alors j'oublierai pas d'écrire que quand tu t'es baigné à Posillipo, quelqu'un t'a piqué tes fringues et tes chaussures. Naples est une ville pleine de violence. Oh. La violence est partout, mais elle se voit pas toujours. Bonjour. Oh. Je m'appelle Cheyenne. Je sais. Moi, en quelque sorte, je m'appellerai Desmond. Lui s'appellerait Desmond. Marie. Excuse-moi d'être aussi direct, Marie, mais je me demandais si c'est d'accord avec ton père et si on pourrait peut-être sortir ensemble. C'est pas mon père. Oh, je crois
que l'idée que vous deux sortiez ensemble serait agréable parce que... Quel genre de musique t'écoutes ? Maria Carey. Oh. Merci pour ton invitation, Desmond, mais malheureusement, je suis pas libre pendant les 14 prochaines années. Quelque chose ne tourne pas rond ici. Je ne sais pas exactement quoi, mais quelque chose. Cheyenne ? Soir ? Quoi de neuf ? Les Tesco s'envolent. Si je vends maintenant, on gagne 30 000 euros. Tu sais, je suis pas certaine que la bourse te fasse du bien. Tu crois ? Ouais. Y a quoi pour le dîner ? Pizza. Végétarienne. Seigneur, ce que tu peux être imprévisible. C'est ce qui m'a fait tomber amoureuse de toi. Ne te gaffe pas trop de pizza ou tu vas perdre. Je perds jamais. Non, vraiment. Parfois, je te laisse gagner. Ah oui? Mais pourquoi tu ferais ça? Pour que tu te sentes viril. Putain de sciatique. Oh, arrête tes conneries. Je te l'ai dit, il y a des fois où je te laisse gagner. Tu disais ça sérieusement? Des nouvelles de Tony? Pas un mot. T'as ouvert la lettre de MTV? Tu me passes la crème, s'il te plaît. Tu te demandes même pas ce qu'ils peuvent te vouloir. Seulement jusqu'à un certain point. Oh, quelle horreur. Regarde, quand tu envoies des énormes noirs comme ça, faut me le dire, c'est vraiment dégueu. MTV couvre le monde entier, tu sais, ça passe en direct. Et cette année, comme invité spécial, après 20 ans passés loin des projecteurs, il voudra voir Cheyenne and the Fellows. Bah,
Pourquoi Lady Gaga? Tu veux même pas envisager la chose? Il y a 20 ans, j'avais déjà envisagé la chose et je suis toujours pas libre. Je vais t'attendre au lit. Nu? Qui êtes-vous? Le futur. Je peux voir votre mari? Oui, bien sûr, allez-y. Le passé vous attend. Salut, je m'appelle Steven. On s'est vu au centre commercial. Je chantais Bonnie Prince Billy, tu te souviens? Oh, je ne m'en souviens pas. Ça m'étonne pas, parce que notre prise est à chier. Oh, à chier. Je t'apporte une maquette qu'on a fait avec mon groupe. Je veux que tu produises notre premier album. Je suis pas producteur. Tu devrais. T'es plutôt déterminé, toi. Plutôt. Pourquoi t'as pensé à moi? Bah, tu laissais la rythmique l'emporter sur le solo de guitare masturbatoire. Personne faisait ça comme toi et je suis en complet accord avec cette approche. En fait, je suis en divergence totale avec notre lead guitare. Et on a eu ce problème. On a fini par virer le guitariste. Je peux pas virer le guitariste, moi. C'est mon frangin. Écoute, si tu nous produis, t'auras voix au chapitre sur tout. Sauf le nom du groupe, c'est pas négociable. Vous vous appelez comment? Les Pieces of Shit. C'est un excellent choix. Ça ouais, putain, tu l'as dit. On a mis 6 mois à le trouver. Et puis je vais te dire, ça correspond exactement à l'époque qu'on est en train de vivre. À plus, mon frère. Je l'ai pas. Putain, un album pirate. Putain, Desmond, où t'as bien pu dénicher cette relique? Tu lui as filé. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Vous vous étiez mis d'accord tous les deux. Vous êtes vraiment con. Et toi, t'es vraiment parano. Je suis désolé, Marie. J'ai invité Desmond à dîner vendredi. Il faut que tu viennes aussi. Pas question. Jamais de la vie. Morgan Labs. Acheté 70, gardé 30%. Vendu 0%. Cette pute de Mélanie m'a largué. Tu la connaissais depuis quand? 4 jours. Est-ce que tu souffres? Comme si j'étais le dernier panda sur Terre. Cette femme m'a exterminé. Oh, garde un œil sur les Tesco, là. Regarde, elles sont comme des ados sur le trottoir de l'école en train de pousser devant nos yeux. Et fais-moi penser à te raconter l'antiquaire que j'ai sauté mercredi. Une jambe dans le plâtre. Mon pote, sûrement un des meilleurs plans baisse de ma vie. Je ne suis pas sûr que ça m'intéresse vraiment. Excuse-moi. Karine, enfin tu me rappelles, j'y croyais plus. Ouais, ouais, non, je me sens tellement seul. Alors, comment va la vie, très chère? Épatant. Par mon mari. Prenez un amant. C'est déjà fait. Comme tout le reste. Et vous, comment va la vôtre? Ma vie va bien.
Combien de fois faut-il vous dire que vous n'êtes pas le bienvenu sur la tombe de nos fils? Vendredi, le dîner dont tu parlais. Je viendrai. Ton vélo, t'en as... Je me suis souvent posé la question, pourquoi, avec tous les vices auxquels je me suis prêté dans ma vie, je ne me suis jamais mis à fumer? Oui, mon fils. Voilà la question qu'il faut que tu te poses. Tout le reste, c'est des conneries. Malheureusement, je ne sais pas où il est. Alors, trouve-le. Cherchez tous. 3 mois, c'est une éternité. Pourquoi, si tout va bien, pourquoi quelqu'un partirait comme ça, sans dire un mot, sans donner de nouvelles? Pourquoi? Tu ne t'es jamais mis à fumer. Parce que tu es resté un enfant. Les enfants sont les seuls à ne pas ressentir l'envie de fumer. Tony ne fumait pas non plus. Je sais que tu te demandes quelle est la position adéquate pour baiser une nana qui a la jambe plâtrée jusqu'à l'aine. Je ne demande rien du tout, Jeffrey. Il faut tenter des trucs différents, tu vois, faire des expériences. Comment tu fais pour avoir toutes ces femmes? Si on y réfléchit bien, t'es pas franchement beau, t'es pas intelligent, t'es d'un sans-gêne incroyable, t'es égocentrique et tu transpires comme un porc. Alors qu'est-ce qui peut bien te rendre si fichtrement extraordinaire? Extraordinaire? Bah rien.
Mais j'ai deux choses que les autres hommes n'ont pas. J'ai de la curiosité et du temps. Tu comprends, Cheyenne? J'accorde du temps aux femmes, énormément de temps. Et en fin de compte, c'est ce qui les séduit. Je suis tout le temps à leur côté. Pendant 6 mois de suite, s'il le faut, je suis présent chaque putain de journée. Tu vois ce que je veux dire? Et elles ne finissent pas par céder par épuisement. Non, non, non. Elles cèdent parce qu'elles ne reviennent pas d'avoir mérité tout ce temps. Tu comprends? Assez bien. Et la curiosité là-dedans? La curiosité, c'est le feu qui te nourrit pendant les 6 mois. Tu sais ce que m'a dit ma nana plâtrée juste avant l'orgasme? Elle était pantelante. Explose sur mon plâtre, elle a dit. Je veux que tu me le signes. Des moments pareils. Ça donne l'impression d'être meilleur. Ben, qu'est-ce que tu fous? Tu me laisses parler tout seul. Que je vous ai déjà raconté la fois où Jen s'était endormie devant la télé en fumant un joint. Et un des coussins du canapé avait pris feu, mais je m'en étais aperçu à temps et j'avais réussi à l'éteindre. J'ai oublié de te dire un détail essentiel, Desmond, c'est pour ça que tu ris pas. Jen est pompier professionnel. Alors, Desmond, tu vis seul ou quoi? Moi? Non. Avec ma famille, malheureusement. J'ai 6 frères. Putain! 6 frangins! Ouais. 6 feignants de glandeurs qu'en foutent pas une de la journée. Si seulement ils pouvaient tous disparaître quelques semaines. Excusez-moi. Faut que j'aille au petit coin. Bravo, Desmond. Bien joué. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Rien. Les femmes filent toujours aux toilettes. Quand t'es jeune, tu crois que c'est pour sniffer de la coke, mais ensuite tu découvres plein d'autres raisons. Elles ont un truc entre les dents. Leurs règles. Ah oui, prends des notes, Desmond. Jeffrey est vraiment un expert en matière de femmes. Cheyenne, le roast beef a l'air délicieux. Dommage que Michel et moi, on mange pas de viande. Michel, c'est la petite chienne. Putain. Putain. Il a quoi, le chien? Je sais pas. C'est Jen qui s'en occupe. Tu bosses pas, Cheyenne? J'ai pas besoin. Tout le monde a besoin de travailler. Et t'as pas d'enfant? Non. Pourquoi? Les rockstars devraient pas avoir d'enfants, parce qu'après, tu risques de voir ta fille devenir une styliste excentrique. Pourquoi y a pas d'eau dans ta piscine? Je sais pas. Personne n'a jamais rempli. Tu pourrais peut-être le faire? Ben, non, parce qu'en fait, Jen et moi, on joue à la pelote à main nue dedans. Et la pelote, c'est plus marrant que la natation. Alors, pourquoi tu ne fais Desmond, pas... Desmond, que... je ne t'ai pas invité à dîner pour que tu m'interviewes! Je suis désolé. Pardon. J'y arriverai jamais avec Marie.
me plaît beaucoup. Le secret, c'est le temps que tu passes, Desmond. Passe du temps avec elle. Tout le temps dont elle aura besoin. Et elle y viendra. Tu verras. C'est comme ça qu'on gagne le cœur des femmes. C'est parce qu'elles se sentent en sécurité. S'il te plaît, ne laisse pas tomber Marie, Desmond. Promets-le-moi. Jane, je crois que je suis un peu déprimée. Non. Je crois qu'un homme qui fait ça a saqué sa femme depuis 35 ans comme si c'était la toute première fois n'est pas déprimé. Peut-être que tu confonds la dépression avec l'ennui. Allô? Allô? Mon père se meurt de vieillesse. Une maladie qui n'existe pas et je n'ai pas pris l'avion depuis 30 ans. La peur de l'avion n'est pas ton seul souci. C'est vrai, j'ai aussi un peu peur de mourir. Tu ne peux pas mourir tant que tu n'as pas vendu tes Tesco. Tu feras quoi pendant que je serai pas là? Oh, comme d'habitude. Vas-y, mollo, sur le tai chi. Jane, je peux te demander quelque chose? Bien sûr, mon cœur. Pourquoi tu as laissé un architecte écrire cuisine sur le mur de la cuisine? C'est idiot, je sais que c'est la cuisine. Reviens-moi au plus vite. Tu sais que je peux pas vivre sans toi. C'est pas vrai, mais c'est gentil de le dire. Le problème, c'est que ça tient pas. Au bout d'une demi-heure, c'est comme si j'avais rien mis. J'ai même essayé le powder puff. Oh, tes lèvres sont bien assez glamour comme Arrête ça. Arrête de plaisanter, je suis sérieuse. T'as essayé les rouges à la gelée royale? En général, ça tient plus longtemps. Il te faut ceux aux agents hydratants comme ceux de l'encolure. Oh, oui, sinon, ça, ça se fondit comme t'as raison. Ça n'apprend même pas une. Tout à fait raison, Elena Rubenstein, c'est bien. Oui, bien sûr. Super classe. Oh non, tu m'as pas dit ça. La marque, c'est pas le problème. Si vous voulez que ça tienne plus longtemps, il faut mettre une couche fine de poudre sur les lèvres avant le rouge. C'est ça le secret. Ensuite, le rouge tient toute la journée.
Worn, the body is worn, the muscles twitch, the posture compensates, and cold, the arrow is cold, the friction warm. Nothing but the point is pure, the wound, it is secure, trial by error, follow us on. Bonjour cousin. Bonjour Richard. And the one we have will do. Pourquoi t'as mis si longtemps à arriver? What is the message on those gamma rays that are penetrating you? Do they say that the end is a coming soon? Or do they say, forget the sun, worship the moon? But whatever it is, our pinhole perspective cannot translate sufficiently. But anyway, A or B, you know, it's all right with me.
prochaine fois, je vais jouer la ville entière. Non, je plaisante. David, il faut que je te dise quelque chose. Parce que même si on ne s'est pas vu pendant je sais pas combien d'années, bah, j'en reviens pas que tu me considères comme un ami. Comment ça? Parce qu'on n'a pas la moindre chose en commun. Tu as des idées si précises, des concepts que tu transformes en réalité. Tu émerveilles les gens avec tes idées. Et ils te définissent par ce mot extraordinaire, un artiste, et ils ont raison. David Byrne est un artiste. Mais tu en étais un aussi quand tu jouais. Dis pas de conneries, David, dis pas de conneries. J'étais qu'une foutue pop star. Et j'écrivais des chansons glauques parce que c'était ce qui marchait. Et je me faisais plein de fric. Des chansons dépressives pour des gamins dépressifs. Sauf qu'il y a deux gamins plus fragiles que les autres qui se sont foutus en l'air à force de les écouter. Et maintenant, moi je vais au cimetière chaque semaine pour me sentir moins coupable. Et ça marche pas du tout, c'est même de pire en pire. Et il y a ma femme qui me demande pourquoi je joue plus. Et là je me dis qu'elle est trop conne. Ou bien alors je sais pas, c'est peut-être qu'elle m'aime vraiment beaucoup. Ce qui la rend encore plus conne. Parce qu'elle ne voit pas le désastre qu'est devenu son mari. Et c'est comme ça David, c'est comme ça. Avant l'enfer, ma vie pouvait se résumer en un seul mot. L'insouciance. Et à présent, afin de faciliter son passage dans l'autre monde, nous allons ensemble réciter le Kaddish pour Néo. Qui sait, tu le connais? Tout le monde le connaît. Pas moi. C'est Mordechai Miller. Qui sait? Une légende. J'ai l'un sur moi, mais je vais te dire, rappelle-moi dans une demi-heure. Une demi-heure, et on fait affaire. Rappelle-moi. C'est ça, bye. Tu t'amuses bien, mon ami? Tu vas voir la mort en face? T'es dans le piège à touristes idéal pour ça. On irait, courtier financier. Méga business si t'as envie d'en faire. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui fait du méga business? Hey, l'argent peut se trouver dans les endroits les plus improbables. Ça, c'est l'expérience qui parle, mon ami. C'est votre méga expérience qui parle, Annie. T'as l'air sympa, toi. Et dis-moi, t'as quel âge? Je suis pas foutu de deviner. Je suis aussi vieux que j'en ai l'air sous la couche de maquillage et le rouge à lèvres. Ah, t'es super sympa, je le savais. Tu dois avoir un tas de problèmes, toi. Je te demande pas lesquels, parce que je sais que tu me le dirais pas. Tu veux que je te dise mon problème à moi? Non, mais j'ai l'impression que je vais le connaître quand même. Alors, mon patron m'appelle il y a une heure. Il me dit, Ernie, faut que tu prennes l'avion pour Londres demain, tu restes un mois. Ça me va super bien, sauf qu'il y a un petit détail. Je suis à New York avec mon pick-up qu'il faut que je ramène au Texas. Ma femme en a besoin. Mais ça, je n'en ai rien à foutre. Le vrai problème, c'est que dans cette ville, un parking, ça coûte une fortune. Voilà, mon ami, c'est ça mon problème. Si
Si j'ai bonne mémoire, il y a des sociétés qui s'occupent de ce genre de choses. Hé, je confie pas mon pick-up à une société de merde. J'aurais pas confiance. Alors, il n'y a pas de solution. T'as raison. Il n'y a pas de solution. Tu les as lus ? Je les ai parcourus. Ils ne parlent pas du tout de moi dedans. Tu n'as jamais dit un mot sur lui. Vous êtes exactement pareil. Et les dessins, tu les as regardés ? J'y ai absolument rien compris. Il dessinait tout ce qui pouvait l'aider à le retrouver. À retrouver qui, Richard ? Je n'ai pas parlé à mon père depuis 30 ans. Je ne sais absolument rien de lui. Après ton départ pour l'Irlande, il a passé sa vie à chercher Alois Lang, l'homme qui était son bourreau à Auschwitz, aux quatre coins de l'Amérique. Il ne l'a jamais trouvé. Pourtant, il y était presque. Au point qu'il avait retrouvé sa femme américaine. Ses dessins sont très importants. Ils peuvent mener droit à la cachette d'un criminel nazi. Mais ils sont pas tous morts. Pas tous. L'espérance de vie a augmenté, tu sais. Alors qu'est-ce que je suis censé faire de tout ça ? Tu peux l'apporter à Mordechai Miller. Il a traqué dans le monde plus de 700 criminels nazis. Pourquoi tu ne lui as pas parlé pendant tant de temps ? Il m'aimait pas. J'ai des éléments qui peuvent peut-être vous servir à capturer un criminel de guerre nazi appelé Alois Lang. Les dents. Je ne m'intéresse qu'aux dents, mon jeune ami. Depuis que les nazis sont morts ou sont devenus trop vieux pour être extradés, moi je cherche les dents. Où sont-elles passées toutes les dents en or qu'avaient les juifs, hein ? Des tonnes de dents ! Ils les ont planquées dans un coffre-fort quelque part ? Où elles pendent au cou de femmes élégantes. Eh bien, moi, je veux savoir, parce que ces dents sont à nous. Quelque chose ne tourne pas rond ici. Je ne sais pas exactement quoi, mais quelque chose... Je sais. Parce que ça n'est pas un sujet pour un garçon branché comme toi, hein? Ton père, il m'avait parlé de toi. Alors, vous allez faire quoi ? Vous allez rechercher Alois Lang ? Non, je cherche les dents, comme je te l'ai dit. Tu es bien comme ton père. Vous êtes plutôt pédants, tous les deux. Mon instinct me dit que la pédanterie est une qualité essentielle pour la capture des nazis. C'est vrai, mais la solitude est le terreau du ressentiment. Ton père était un homme trop seul. Il s'était mis à nourrir son ressentiment envers quelqu'un qui était bien moins mauvais que bien des autres. Je sais qui est Alois Lang. C'est personne. En plus, il doit avoir 95 ans maintenant. Il y a 9 chances sur 10 pour qu'il soit déjà mort. Mais est-ce que vous l'avez vraiment cherché tous les deux ? Un peu. C'était un petit poisson. Nous, on chassait les requins. Évidemment. Ça fait plus grosse impression. Qu'est-ce que tu veux insinuer ? Que même un chasseur de nazis suit les règles du show business et fait ce qui lui rapportera le plus de publicité. Je ne laisse personne me traiter de bouffon avide de publicité. Nous sommes tous parfois des bouffons. Oui, eh bien, parle pour toi. Attifé comme tu l'es. Écoute bien, petit. J'ai sacrifié ma vie tout entière pour retrouver ces ordures. C'est pas exactement ce qu'on appelle le show business. Plein de juifs qui ont survécu s'en sont remis, mais pas moi. J'ai 79 ans et je suis resté en 1940.
Tout comme l'était ton père. Tu pratiques ta religion? Non. Est-ce que tu connais l'Holocauste? De façon approximative. Et ton père, tu connaissais ton père? De façon approximative. Mais enfin, putain, où est-ce que tu as vécu tout ce temps? Les chiens, c'est ton truc? J'ai un labrador, mais c'est ma femme qui s'en occupe. Moi, je m'occupe du mien. Il s'appelle U. À l'intérieur, il est que colère, mais il le montre pas. Comme toi. Bon, tu me donnes ton numéro de portable? J'ai jamais eu de portable. Avant l'enfer, ma vie pouvait se résumer en un seul mot. L'insouciance. Enfant, j'aimais contempler le ciel polonais. Le même ciel que plus tard, j'ai vu du camp, rayé de stries noires, la fumée de ma famille. Pourtant, cette macabre vision ne m'a pas empêché d'apprécier la beauté du ciel. Une autre pensée monstrueuse. Comme toutes les pensées qu'ont ceux qui sont en enfer. Mesdames et messieurs, les Pieces of Shit. Mama didn't talk about nobody else. Daddy wouldn't say. Vous avez une chambre libre? Elles sont toutes libres. Yes, we need fewer guns in the hands of people who shouldn't have them. Yes, we need more money for our schools and more outstanding teachers in the classroom and more after-school programs for our children. Yes, we need more jobs and more job training and more opportunity in our community. Touchdown for the senior!
Unbelievable. Flat out missing the tackle. Bonjour, Chen. Comment tu vas? Y a eu des nouvelles de Tony? Non, je suis pas fatiguée du tout. Je prends le bateau dans une demi-heure. Qui sait, on ne peut pas voir si la mer va être agitée depuis le port. Richard va bien. Il s'est transformé en un très bel homme. Sauf que j'ai l'impression qu'il a de fausses dents. Pourquoi tu ris comme ça? Eh ben, elles sont tellement parfaites qu'à mon avis, elles ne peuvent pas être vraies. T'as peut-être raison. Peut-être que je suis jaloux. Ben, dans une semaine, je serai à la maison. Décidé de m'arrêter. T'aimes les tatouages? C'est ce que j'étais en train de me demander en te regardant. Je sais pas. Je ne suis pas encore décidé. Je gagne ma vie en tatouant les gens. Ça doit être un bon boulot. C'est pas un boulot. C'est un art. Tu as remarqué? Plus personne ne travaille et que tout le monde fait un truc artistique. Et toi, tu fais quoi? Très précisément, en ce moment, je fais ce que je peux pour brancher un garçon triste avec une fille triste. Mais c'est pas facile. J'ai le sentiment que la tristesse n'est pas compatible avec la tristesse. Moi, j'ai branché ma tante. Elle est handicapée. Avec un de mes potes. Un coiffeur. Un bon coiffeur. C'est une très belle chose. Comme ça, ils se tiennent compagnie. Et ils me sont reconnaissants. Une autre très belle chose. La reconnaissance. La vie est pleine de très belles choses. C'est vrai, mais la reconnaissance, c'est la plus belle de toutes. Et qu'est-ce que tu viens faire dans ce trou perdu? Je suis à la recherche d'un criminel nazi d'Auschwitz. Ah ouais? Ils sont pas tous morts? C'est ce que je croyais aussi, mais apparemment, non. Quand tu le trouveras, tu feras quoi?
Est-ce que tu veux me tuer, mon garçon ? Non, madame. Pourquoi je voudrais faire une chose pareille ? Je suis John Smith, je suis un de vos anciens élèves. Et comme j'étais dans le coin, je me suis dit que j'allais passer vous dire un petit bonjour. John Smith ? Non, je ne me souviens pas de ce nom, mais c'est étrange parce que je me souviens de tous mes élèves. Bien sûr, quand j'étais au lycée, je ne m'habillais pas comme ça et j'étais pas maquillée. Alors pourquoi tu le fais maintenant que tu es grand, John ? Je n'aime pas ça. Ça ne me plaît pas du tout. Tu vas me faire une promesse. Tu vas t'engager à régler ce problème au plus vite. Je vous le promets. Mais la question n'est pas là. La question, c'est que ton nom ne me dit absolument rien. Peut-être parce que c'est un nom trop banal. Emily, il va falloir que tu sois une bonne fille. Ne salis rien. Tu vas rester ici parce que... Taki ! Tu aimes mon élève ? Bien sûr que non. Jackie a un caractère effroyable. J'aimais beaucoup vos leçons d'histoire, madame. Merci, mon garçon. Je me souviendrai toujours d'un cours vraiment inoubliable au sujet de l'Holocauste. L'Holocauste ? Oh, c'est étrange. On abordait le sujet qu'en toute fin de troisième trimestre et on survolait ça à toute vitesse. Il m'arrivait même parfois de faire l'impasse. Pas mon année. Je me souviens que ça avait été très, très touchant. Oui, bien naturellement, c'était une tragédie. Les enfants... Personne ne devrait jamais s'en prendre aux enfants. Pourquoi les Allemands ont décidé d'exterminer les Juifs ? Je ne sais pas. Mon garçon, c'est le grand mystère, une de ces questions à un million de dollars. Mais on a écrit tellement de livres à ce sujet et vous êtes historienne, alors vous devez y avoir pensé. Ils voulaient leur argent. Leur argent ? Mais tous les Juifs n'étaient pas riches. Tous possédaient quelque chose. Ce thé est délicieux. Non, pas du tout. Je ne sais pas faire le thé. J'essaie d'en prendre l'habitude, mais je n'ai jamais eu une vie faite d'habitude. Comment va votre mari ? Mon mari est mort, malheureusement. Il est mort depuis 10 ans. Je suis désolée, et vos enfants ? Nathan vit en Asie. Je ne le vois jamais. C'est bien triste. Nathan est un esprit compliqué. Nous voyons quand même notre petite fille Rachel. Enfin, je vois quand même Rachel. Une fois de temps en temps. Émilie, ne fais pas de bêtises. Eh bien, ce fut un vrai plaisir. Mais il faut que je vous laisse. John Smith ? C'est un nom qui ne me rappelle absolument rien. Ça vous reviendra. Un jour ou l'autre. Bonsoir. Bonsoir.
Bonne nuit, Emily. Je peux vous déposer ? Sing along, harmonize happiness with fear and doubt, and use the whole song to clear their up. Take your hands from your pockets and the key from the lock, and you can like it, but you can't come in. There is no it seems astounding. Numéro 31. It didn't feel so far, but turn around, babe. The love was where you are. Je le crois pas. Ça y est, maintenant je me souviens de vous. Vous avez chanté avec Mick Jagger une fois. Je connais Mick, c'est un bon chanteur. J'aime sa façon de danser. Écoutez, votre cheeseburger est un petit peu trop cuit. Ça vous embête pas, hein? On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est la vie. Vous savez quel est le problème, Rachel? Quoi? Sans en avoir conscience, on passe de l'âge où on dit « ma vie ressemblera à ça » à l'âge où on dit, c'est la vie.
Ah, monsieur, je suis désolé, je l'ai pas fait exprès. Je suis désolé, vraiment. On va faire plus attention. Ce qui compte, c'est pas de faire attention. Ce qui compte, c'est de savoir jouer au ping-pong. C'est à toi. Si tu gagnes le point, tu gagnes le match. Eh, à toi de servir. Ou on termine le match demain, si tu veux. Décide-toi. C'est pas juste, j'ai été distrait. C'est un problème fréquent chez les jeunes, la distraction. T'oublies pas le pourboire. Pas ce genre de fille. Je suis pas ce genre de garçon. Il a toujours eu peur de l'eau. Mais c'est un garçon courageux. Il surmonte toutes mes crises. Tu faisais quoi quand t'avais mon âge ? En dehors de faire de la musique. Je sniffais de l'héroïne. Tu te l'injectais pas? J'ai peur des piqûres. La peur nous sauve chaque fois. Chaque fois, oui. Mais il faut choisir un moment dans sa vie, même un seul, où on n'a pas peur. Et tu l'as choisi, ce moment ? Oui. C'est maintenant. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas parlé à mon père pendant 30 ans. J'ai dû penser qu'il y avait entre nous un mépris réciproque. Quand j'avais 15 ans, j'ai décidé qu'il ne m'aimait pas parce que je me maquillais les yeux exactement comme maintenant. Et quand on est jeune, c'est très difficile de faire marche arrière sur nos décisions. Mais je fais semblant d'être jeune depuis trop longtemps. Je viens seulement de comprendre qu'un père ne peut pas s'empêcher d'aimer son enfant toute sa vie. Ne pas avoir d'enfant, ça m'a vraiment, vraiment bien foutu en l'air. Maintenant que je le comprends, c'est trop tard. Mieux vaut tard que jamais. Mais ça, c'est des conneries. Trop tard. C'est trop tard. Il y a une base aérienne pas loin. Il y a beaucoup de militaires par ici. Oh, et puis, on a la plus grosse pistache du monde aussi dans le coin. C'est une sculpture. Elle est même dans le livre Guinness des records.
Et elle est où, la plus petite? Je sais chanter. J'en suis persuadée. Mais moi, je ne sais pas jouer. C'est pas vrai. Maman m'a dit que tu étais chanteur. Il a même chanté avec Mick Jagger. En fait, c'est Mick Jagger qui a chanté avec moi. C'est lui qui avait demandé. Waouh, tous les secrets du rock révélés dans notre maison, Tommy. Tu peux jouer quelque chose, s'il te plaît? Rien qu'un morceau. J'ai arrêté, je ne joue plus. Et puis d'ailleurs, je ne suis même pas sûre que je saurai encore. Mon prof de musique dit qu'une fois qu'on a appris, on n'oublie jamais. Peut-être qu'il a dit ça pour être gentil ou parce qu'il veut t'extirper un peu d'argent. Rien qu'une chanson, s'il te plaît. Putain. Tu veux que je te joue quoi? This Must Be The Place, la chanson d'Arcade Fire. N'importe quoi, This Must Be The Place est un morceau des Talking Heads. Non, c'est d'Arcade Fire. Crois-moi, tu es en plein délire. This Must Be The Place est des Talking Heads. Arcade Fire en a juste fait une reprise. Oh, Miss Rare. T'emballe pas trop vite, je voulais juste vérifier que la guitare est accordée. Oh, pardon. Home is where I wanna be. Pick me up and turn me round. I feel numb, born with a weak heart. Guess I must be having fun. The less we say about it, the better. Make it up as we go along. Feet on the ground, head in the sky. It's okay, I know nothing's wrong. Nothing. Hi-yo, we got plenty of time. Hi-yo, you got light in your eyes. And you're standing here beside me. I love the passing of time. Never for money, always for love. Cover up and say goodnight. Say goodnight. Merci, c'était un plaisir de chanter avec toi. Et toi? Comment tu t'entends avec ton père? Bien. Même si je le vois jamais. Il vit à Hong Kong et il revient jamais en Amérique. Mais il y a certaines zones d'ombre dans ma famille aussi. Ah oui, tu crois? Comme dans toutes les familles, je suppose. Mon père, par exemple. Il a coupé tous les ponts avec ses parents il y a des années. Et j'ai jamais su pourquoi. Je lui ai demandé des centaines de fois, mais il me l'a jamais vraiment dit. Tu n'as jamais demandé pourquoi à tes grands-parents? Ils sont aussi évasifs que lui. Une fois, quand j'avais 12 ans, mon grand-père m'avait dit une chose que j'ai jamais oubliée. Il a dit, quoi qu'il puisse se produire, n'oublie jamais que je ferai toujours partie de ta vie. Et il y avait des larmes dans ses yeux quand il l'a dit. Ça t'arrive de le voir? Pratiquement jamais. Il habite très loin, dans un coin perdu de l'Utah, Huntsville. Je ne peux pas faire l'amour avec toi, Rachel. Je suis marié.
Avant l'enfer, il y avait la maison. Le premier baiser furtif dans l'arrière-cour à 13 ans. Les odeurs, la puanteur de la maison, les nuages noirs. L'ivresse de l'orage qui approche. Le refuge de l'enfant, le coin près de la fenêtre. La couverture sur moi quand j'avais de la fièvre. L'ennui béat. Et les frissons de joie. En résumé, c'était une intimité mentale. Le camp décrète la perte de l'intimité mentale, établissant ainsi une nouvelle sorte de mort. Une mort vivante. Il y a bien des façons de mourir. La pire de toutes, c'est de continuer à vivre. Des nouvelles de Tony? Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de te trouver ou quelque chose comme ça? Non, Jen, je ne sais pas de me trouver. Je suis au Nouveau-Mexique, pas en Inde. Tu rentres bientôt. Je te rappelle. C'était le vôtre? Non. Celui d'Orniret. Vous avez mis de l'huile récemment? Oui, il y a peut-être une heure et demie. Vous en avez mis trop. Trop mettre d'huile, des fois, ça cause une autocombustion. Ça arrive. C'est pas vraiment fréquent, mais ça peut arriver. Il y a des tas de choses pas fréquentes qui m'arrivent en ce moment. Mais soyons concrets. Qu'est-ce que vous croyez qu'Urniret va dire de ça? Je suis pas un intellectuel. J'appelle les choses par leur nom. Tu sais comment j'appelle ça? Ce qui se passe là, c'est énorme. Démodé. Une chose qu'on voit plus que rarement. Et cette chose, elle porte un nom bien précis. La confiance. Alors laisse-moi ajouter ceci. Ne trahis pas ma confiance. J'ai reçu une éducation sévère chez Yen. Je pourrais avoir une réaction très sévère. Bonjour. Bonjour. Quel genre d'arme vous cherchez ? Une qui fait mal. Eh ben, vous êtes au bon endroit. Je vais vous montrer quelque chose. On ne peut pas mieux choisir. Le seul revolver au monde qui ait la puissance d'un fusil, mais sans l'encombrement. Je ne m'y connais pas du tout en armes. Moi, si. Ce revolver vous permet de viser et de tuer avec précision à une distance de 75 mètres. Et il ne donne pas seulement la satisfaction de tuer. Il permet de tuer en toute impunité, ce qui donne une toute autre dimension à la chose. Croyez-moi, c'est extraordinaire de tuer en toute impunité. C'est un rare changement de perspective dans l'histoire de la vie d'un homme.
Si on nous autorise à devenir des monstres, on finit par n'avoir plus qu'un seul désir. Être vraiment des monstres. Cheyenne. Pardon, quoi? Non, je pose juste la question, vous êtes Cheyenne, hein? Non, c'est pas moi. Je peux m'asseoir avec vous? Mais oui, bien sûr. Asseyez-vous. Vous voyagez? Je fais du tourisme. Mais quelle est exactement la différence? Je ne connais pas exactement la différence. Mais j'ai toujours trouvé que les voyageurs étaient des emmerdeurs de première. C'est un avis que je partage. Moi, je dis à mort les sacs à dos. Dites, c'est un bon modèle que vous avez là. Il y a un bon équilibre entre la mécanique et la capacité de rangement. Vous bossiez dans les bagages? On va y venir. Mais d'abord, dites-moi pourquoi vous vouliez me rencontrer. Je suis à la recherche d'un Allemand. Alors, vous êtes venu au bon endroit. Les Allemands viennent ici en vacances. Ils adorent le coin. Ça leur rappelle les Alpes. Et une fois rentrés chez eux, ils peuvent dire qu'ils sont allés en Amérique. Moi, je cherche un autre genre d'Allemand. Celui que je cherche habite ici, il s'appelle Alois Lang. C'était un ami de mon père. Et je voulais lui rendre visite. Vous le connaissez? On va y venir. Bien. Vous vous souvenez de l'époque où les valises à roulettes n'existaient pas? On devait porter ses bagages ou se les balancer sur l'épaule. C'était toujours horriblement lourd. Tout le monde transpirait et on n'arrêtait pas de râler. Et puis, quelqu'un est arrivé. Ça remonte à peine à quelques années, si on y réfléchit bien. Avec la brillante idée de mettre des petits trous sous ces trucs. Et pouf! D'un seul coup, votre valise est devenue moins lourde. Et chaque jour, je me pose la même question. Pourquoi personne d'autre n'y avait pensé? Pourquoi vous vous posez cette putain de question tous les jours comme ça? Parce que je suis ce quelqu'un qui a eu cette brillante idée.
Vous vous foutez de ma gueule? Non, je ne me permettrai pas. Je suis Robert Place. J'étais pilote à Northwest Airlines. Et en 1988, j'ai eu une idée. Alors, je l'ai testée dans mon garage et ensuite, j'ai breveté l'idée. Et je n'appellerai pas ça un succès parce que ça a été une révolution. Bon, il y a 150 résidents à Huntsville. Et il y en a un seul qui a un accent allemand. Un accent très léger. Et il ne s'appelle pas Alois Lang. C'est Peter Smith. Il habite une maison en rondin sur la colline en partant vers l'est. Il est plus vieux que moi. Et probablement plus beau. Et je ne peux pas dire que j'apprécie ce Peter Smith. Comment ça, tu sais pas si tu reviens? Je suis pas sortie avec Desmond. T'avais raison. Je connais rien au garçon. Comment tu vas? Hier soir, ma mère m'a prise par la main. Et elle m'a dit que le chagrin n'est pas une destination finale. J'ai fini par comprendre, c'est que parfois les gens partent. Mon frère est parti. Et tu es parti. Tu m'entends, Cheyenne ? Thank you.
Je vous demande pardon, mais il faut quand même que vous sachiez que je l'ai fait exprès. Ah, oh. Et comment vous êtes entré ? Pour qui tu me prends, bordel ? Je te rappelle que j'ai passé ma vie à traquer des salopards planqués dans des hôtels un peu partout dans le monde, et tu oses me demander comment j'ai fait pour forcer la porte d'un motel à touristes au milieu de l'Utah. Ah, comment vous saviez que j'étais là ? Ah, ça, l'Amérique est un village. C'était pourtant pas évident. Aucune trace de portable ni de voiture. J'aurais jamais de portable. Jamais de portable. Ah, mais qu'est-ce que je fous là ? Tu m'emmerdes, c'est rien de le dire. C'est un sentiment puissant, mais qui s'était un peu adouci en ton absence. Il revient plein pot, maintenant. Aloïs Long n'habite plus dans ce patelin, il s'est enfui. Il ne s'appelle plus Aloïs Long non plus. Il se fait appeler Peter Smith. Oh, putain, un vrai détective. Emballe ton maquillage, on se barre d'ici. Et où est-ce qu'on va ? Au bout du monde, c'est là qu'est ton copain. Comment vous le savez ? Je le sais parce que je m'appelle Mordechai Midler. Et parce que j'ai un téléphone et des milliers d'informateurs. Je décroche, je fais un numéro, je trouve les gens. Prépare tes affaires, faut que j'aille pisser. Hey, Cheyenne, viens m'aider. La porte est sous foutu du truc qui est coincé. Vous plaisantez ? Non, pas du tout. Cette putain de porte s'ouvre pas. Allez, sois sympa. Appelle le type à la réception, il doit avoir un pass. Jamais de la vie. Un détective comme vous qui a retrouvé je ne sais combien de criminels nazis et vous êtes pas foutu de sortir tout seul des toilettes. Ça fait pas sérieux. T'es con. Pourquoi tu me fais des conneries pareilles à mon âge, hein ? Du bonheur. Je sais que ça va peut-être te sembler banal, mais... Quand j'avais 7 ans, j'ai vu les chiffres gravés sur l'avant-bras de mon père. Je lui ai demandé ce que c'était. Et il a dit... Et il a dit, et je le cite, « Eran, c'est notre numéro de téléphone. » Depuis, les Juifs ont toujours un faux numéro. J'ai passé presque toute ma vie dans des chambres d'hôtel. Des pensions miteuses, des voitures, ici, en Argentine, au Brésil, en Syrie. Et tu sais quoi ? J'ai adoré. Et tu sais quoi d'autre ? Je suis persuadé que tu as aimé aussi. Parce que je suis persuadé que tu avais grand besoin de te distraire. C'est vrai. Ça m'a plu. Oui, c'est ce que je pensais. Je me sens tellement bien ici. Les montagnes, ça m'aide à me sentir en paix avec le monde. Tu comprends ? C'est comme quand on se met une cravate. Ton revolver, tu sais t'en servir ? Comment vous savez que j'ai un revolver ? Parce que je le sais. Parce que j'ai été en guerre toute ma vie. Ça n'a pas de fin. Un. Limitation. Hitler avait un bureau. 180 mètres carrés. Mais il répétait à son architecte
que c'était trop petit. Göring s'est construit une maison comme celle de Hitler. Himmler aurait voulu une maison comme celle de Göring. Bormann aurait voulu une maison comme celle de Himmler, si Himmler avait réussi à avoir la même que celle de Göring. Tout le monde imitait ce que faisait tout le monde. Tout le monde, mais pas les Juifs. Les Juifs n'imitaient personne. 2. L'humiliation. Si tu veux survivre, apprends à connaître la personne qui cherche à te tuer à tout prix. J'ai survécu. Ton père a essayé de me tuer pendant des années, à cause de l'épisode que je vais te relater. Un jour d'hiver 43, pendant l'appel, ton père s'est mal conduit. Je ne sais plus exactement de quoi il s'agissait, mais j'ai menacé d'ordonner à mon berger allemand de le mettre en pièces. Le chien lui a grogné après. Il a eu tellement peur qu'il s'est pissé dessus. Et moi, j'ai éclaté de rire. Voilà ce qui s'est passé. Voilà son humiliation. Comparé aux horreurs qui ont eu lieu à Auschwitz, ce n'était rien. Mais ton père n'a jamais oublié. Alors, il m'écrivait des lettres. Les mots qu'il employait, les mots les plus atroces, les mots les plus magnifiques. Des lettres que ma femme, dans sa grande sagesse, me faisait parvenir. Tiens, au fait, elle s'est souvenue de toi, en fin de compte. Quoique ce ne soit pas en tant qu'ancien élève. Je haïssais ton père, parce que son obsession pour moi m'a rendu la vie impossible. Mais je dois avouer qu'il a fini par faire mon admiration. L'inexorable beauté de la vengeance. Toute une existence consacrée à se venger d'une humiliation. C'est ce que j'appelle de la persévérance, voire de la grandeur. 3. Le vol. Le petit vélo. Le baiser volé dans l'arrière-cour à 13 ans. Les nuages noirs. L'ivresse de l'orage qui approche. Le tic-tac de l'horloge. Les bras aimants de la mère. Le sourire du père et ses caresses. Le doigt qui trace des lettres sur la vitre embuée. Le coin près de la fenêtre. La couverture douce quand on a de la fièvre. Le ciel limpide d'Europe du Nord. Chacun de nous, absolument chacun de nous, s'est fait voler sa jeunesse de la même façon. Chacun de nous, absolument chacun de nous, s'est fait voler son insouciance de la même façon. De l'autre côté des barbelés, nous aussi, on regardait la neige. Et Dieu. Dieu. Peu importe, je n'arrive plus à me souvenir. Thank you.
C'est une telle injustice que mon père soit mort avant vous. Quelque chose ne tourne pas rond ici. Je sais pas exactement quoi. Mais quelque chose. So don't pretend that this isn't right. Vous savez, il me l'avait dit. C'est pas vrai, mais c'est gentil de le dire. The seed, the stem, the flower and fruit that to you it was denied.
Puis, durant l'enfer, nous aussi, depuis l'autre côté des barbelés, nous aussi on regardait la neige. Et Dieu, c'est ainsi qu'est Dieu. Une forme infinie et stupéfiante. Belle, paresseuse et immobile. Sans aucun désir de faire quoi que ce soit. Comme certaines femmes, quand on était gamin, dont on osait seulement rêver. Thank you.
And I miss you.